victory in the final analysis is our way of life. A good, natural, wholesome, friendly way of life. The world is full of potential Rotarians who are not Rotarians in fact. If you have the love of your fellow men in your heart, my friends, you are potential Rotarians. Le Rotary est le plus ancien club service mondial. Il compte 1 200 000 membres qui agissent au quotidien pour que notre monde soit meilleur et pour que le partage ne soit pas qu'un leitmotiv. Il y a plus de 33 000 Rotary Clubs dans plus de 150 pays. Les clubs sont apolitiques, non religieux et sont ouverts à toute culture et croyance. Les Rotariennes et Rotariens sont des hommes et des femmes ordinaires qui servent une cause extraordinaire. Le Rotary cultive l'idéal de servir. Les Rotariens mettent à profit leurs relations et contacts pour servir l'intérêt général. Ils sont tenus d'observer des règles de haute probité dans l'exercice de leur profession. Ils font progresser l'entente entre les peuples, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres des professions unis par l'idéal de servir. La conduite de chaque Rotarien est passée au crible du critère des 4 questions qu'ils arborent fièrement dans leur lieu de travail ou même à domicile. C'est une boussole et un code moral pour chaque période de la vie. Est-ce conforme à la vérité? Est-ce loyal de part et d'autre? Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures relations amicales? Est-ce profitable à tous les intéressés? Le Rotary n'est pas qu'une organisation caritative. Il agit dans tous les domaines de la vie. Ses actions sont édictées par des principes fondateurs universels. La devise du Rotary, « servir d'abord », évoque l'âme d'une organisation à dominante humaniste. Devenir Rotarien signifie rejoindre un réseau de personnes ayant en commun des valeurs et des centres d'intérêt. L'amitié et la camaraderie entre Rotariens dépassent largement le cadre du club et créent de nombreuses possibilités au niveau local ou international. C'est cette recette qui, depuis plus d'un siècle, a permis le succès et la perpétuation des traditions rotariennes en vue de la réalisation d'actions dans 4 domaines. L'action intérieure est orientée vers les clubs, leur administration, leur développement et l'assise d'un climat d'amitié. L'action d'intérêt public favorise le travail en faveur d'autrui afin d'améliorer le bien-être de nos communautés. Rotary International and My Imagination Library have teamed up to do all we can to inspire kids to love books and to love reading. L'action professionnelle encourage, au-delà des discours vaseux, la pratique des règles éthiques dans la vie courante et la valorisation de tous les métiers. Enfin, l'action internationale permet à des clubs locaux et étrangers de travailler ensemble afin de réaliser des projets transnationaux qui bénéficient aux populations. Quoi de plus significatif pour illustrer l'impact mondial du Rotary que sa contribution à l'éradication de la polio dans le monde? Le Rotary est partenaire de la fondation Bill et Melinda Gates et s'est fixé avec cette organisation le but de faire disparaître ce fléau de la surface du globe. Bonjour. Merci de m'inviter à parler des efforts du Rotary dans le cadre de l'éradication de la polio. Je vous félicite d'avoir accepté le défi que la Fondation Gates vous a lancé. Merci encore de vos efforts. Cette tâche est ardue, mais nous savons que nous pouvons compter sur le Rotary jusqu'au jour où le dernier enfant contractera la polio.
le Rotary est également engagé dès que survient une catastrophe naturelle. Pour ce faire, et à l'initiative de Rotariens, s'est créé Shelterbox, une organisation qui fournit un kit de survie pour une dizaine de personnes avec tout le nécessaire. Shelterbox a distribué à ce jour plus de 50 000 tentes et abrité près d'un demi-million de sinistrés. On ne peut pas parler de l'action internationale du Rotary sans parler du rôle de cette organisation en faveur de la paix mondiale. Membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, le Rotary a développé un programme mondial pour la formation de spécialistes dans la résolution de conflits auxquels participent de prestigieuses universités à travers le monde. Le Rotary ne s'intéresse pas seulement aux professionnels confirmés. Il s'adresse également aux jeunes et les encadre, selon leur âge, dans des structures idoines comme l'Interact, moins de 18 ans, et le Rotaract, 18-30 ans. Des programmes spécifiques sont également développés par le Rotary au profit de ces mêmes jeunes, notamment le RILA, qui prépare les jeunes générations à la prise de responsabilité et à l'exercice du leadership. Le Rotary Exchange, qui grâce à ses jumelages, permet aux jeunes de s'initier aux approches interculturelles et à la découverte du monde. Le Rotary, affaires de famille, élargit également son élan humanitaire en partenariat avec les épouses de Rotariens organisées au sein des clubs Inner Wheel. Présent au Maroc depuis 1930, ce mouvement a pour président d'honneur Sa Majesté Mohamed VI, qui perpétue la tradition inaugurée par Feu Sa Majesté Hassan II de faire partie de ce noble mouvement. Aujourd'hui, le Rotary s'inscrit parfaitement dans les initiatives gouvernementales de développement humain, en œuvrant dans tous les domaines d'action et dans tous les recoins du royaume. Les Rotariens, ces anonymes au service de leur communauté, s'engagent de plus en plus fortement dans le développement du Maroc et contribuent chaque jour à l'amélioration du quotidien. Ils sont présents par le parrainage de centres sociaux et d'associations, ils investissent dans les structures d'accueil et agissent dans l'alphabétisation des populations, l'éradication de la pauvreté et l'insertion sociale et professionnelle. Réalistes, les Rotariens sont conscients qu'ils ne peuvent apporter une réponse à toutes les questions du monde, ni un remède à chacun de ces maux. Leur souhait est, tout simplement, d'atténuer la peine. Car une peine partagée est à moitié partagée. Mais un bonheur partagé est double. Qu'ils soient libres et vivants, ils vont apprendre à lire les enfants. Les mêmes bibles, les mêmes corans, mais d'une autre manière, comme quand on est frère, tout en étant différent. Ils referont le monde, les enfants. Ils referont le monde, les enfants. C'est un fameux voyage, demain qui les attend, on t'apprendra à vivre les enfants.